Chercher donc cette victoire. Nous rappelons que les 50 premiers marquent des points dans le cadre de cette première manche. Là, c'est très serré. Lequel sera le plus rapide? Voilà, et la victoire ici donc qui revient à Thomas Velter, le grand du VCIT Schwenheim. Voilà, Thomas Velter, c'est dans les toutes dernières dizaines de centimètres que ça s'est évoqué. Thomas Velter, nous rappelons, avait connu un podium à l'occasion de la Paris Tour catégorie espoir, et tous les coureurs qui en terminent. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir globalement avec Rudy Fieves pour l'entente Sud-Gascogne. Les 50 premiers marquent des points, il y a encore plusieurs points à prendre. Bien évidemment, l'importance des points pris en début d'épreuve sur cette première épreuve. Il y aura deux autres rendez-vous dans le périmètre. Et du côté de Châteauroux, voilà donc avec l'arrivée ici donc de Guillaume Muller donc pour le team Macadam Scobaye. Voilà, on les applaudit tous globalement avec l'arrivée ici d'Alexandre Join pour le club d'histoire dans le Vidôme. Voilà tous les coureurs qui en terminent. Bravo, on les retrouvera sur la deuxième manche, bien sûr, dans d'autres rendez-vous. Antoine Guillot pour le team Macadams. Voilà, on retrouve également avec le 250, donc Anton Ibarguren pour l'entente Sud-Gascogne du côté de l'ES Torigny-sur-Vire. Voilà, avec l'arrivée de Simon Henry, vainqueur à Viré. Il avait été champion de la Manche, catégorie junior et des coureurs du team Pays de Dinan qui nous rejoignent également. Et l'arrivée avec son dossard 157 d'Aurélien Gué pour Grenoble Métropole Cyclisme 38. On vient de toute la France. Hein. On vient de hier dans le Var, d'Aubenas, hein, dans l'Ardèche, avec les marrons glacés, d'abord, les marrons. Hein. Donc.